ceux et celles qui veulent le baptême, comme Marina, venez me voir. Oh Dieu, merci. Alléluia. Merci Père. Oh God, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Dieu est bon. Oh, ça va? Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Viens mon grand ici. Alléluia. Dieu. Oh, il est bon. Regardez l'œuvre de Dieu. Ah. La jeune fille là, là, toi, à côté de celle qui a des lunettes. Tu sais que Dieu a mis sa main sur ta vie. Le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut restaurer ta famille. L'ennemi est venu mettre le trouble. Il est venu mettre la zizanie. Et Dieu t'appelle parce qu'il veut se servir de toi. Oh Dieu t'aime, t'aime jeune fille. Viens, 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 viens au nom de Yeshua. Dieu t'aime. Regardez l'œuvre que Dieu fait. Dieu est bon. Dieu est bon. Le temps de cette souffrance est fini. Le temps de ce désert est fini pour toi. Te dit le Seigneur, ma fille, je te guéris, je te sauve. Je te guéris, il y a une délivrance que Dieu t'accorde aujourd'hui au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Un miracle que Dieu fait dans ta vie. Un miracle. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur purifie ton sang. Le Seigneur te restaure. C'est lui qui t'a attiré ici. Il y a tellement de souffrances. Des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Pourquoi toi, tu dis pourquoi moi? Et tellement de blessures, de déceptions. Et le Seigneur te restaure aujourd'hui. C'est lui qui t'a attiré ici. Il te dit en sortant d'ici, change ton histoire afin que tu témoignes partout de sa gloire, de sa puissance. Oui, Dieu te connaît. Oui, Dieu te voit. Oui, Dieu voit ta galère. Dieu voit ta souffrance. Au nom de Yeshua. Oh, Dieu l'aime. Oh, Dieu. Regardez ces jeunes gens. Alléluia. Ça va toi? En forme? Oh, Dieu vous aime. C'est beau. C'est beau. Waouh, waouh. Ça va? La famille. Oh, comment? Sa famille est brisée. La famille a failli être brisée. Oui. Et là, Dieu vous restaure. De combat. D'accord. Mon père a touché ma fille physiquement. Oh. Ma famille a coupé avec moi à cause de ça. Mmh. On est venu de loin, mais on est venu parce qu'on sait que Jésus est vivant. Et il est là. Amen. En ce lieu. Amen. Il n'y a pas, cherchez pas autre part. Il est là. Amen. Il est temps que l'église se réveille parce qu'il est là. Amen. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. J'étais hémiplégique. J'ai voulu me suicider 3 fois, mais Jésus est venu dans ma chambre. Wow. Et j'ai dit, Jésus, si tu m'aimes, je veux venir ici. Wow. Il ne m'a pas guéri, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est d'avoir un cœur pour lui. Alléluia. Wow. Oh, que Dieu soit béni. Quelle famille. Comment tu t'appelles? Abigail. Oh, Abigail. Donnez-moi la dernière version de la BGC là. Donnez-moi 2 versions, 2 exemplaires. Wow. Tu sais que tu vas beaucoup chanter pour Jésus. Tu vas voyager dans le monde entier pour chanter pour Jésus. C'est pour cela que Satan a voulu te détruire parce qu'il a vu ton étoile. Mais Dieu t'aime beaucoup, Abigail.
Tu vas voyager partout aux États-Unis. Tu vas parler plusieurs langues. Tu vas parler l'anglais, l'espagnol, tout ça. Et tu vas chanter, prêcher la parole de Dieu. Et Dieu va beaucoup te montrer le ciel. Tu vas beaucoup voir les anges au ciel. Et tu vas faire du bien à beaucoup d'enfants. Tu vas voyager dans les pays pauvres pour aller aider des enfants comme un médecin. Je te vois comme un médecin en train de soigner des enfants. Oh Seigneur, bénis cet enfant, papa. Bénis cet enfant. Bénis-la, Seigneur. Jojo est où? Jonathan et Timothée, venez. Alléluia. Lui, ça va être un évangéliste. Pareil, je le vois prier pour les handicapés, prier pour les aveugles. Je vois des miracles qui vont l'accompagner, cet enfant-là. Et c'est le Seigneur vraiment qui vous a mis ensemble. Et c'est lui qui permet vos combats, ce qu'il me dit. Parce que au travers de vous, beaucoup de couples seront restaurés. Le Seigneur a mis cet appel sur vous pour la restauration de la famille. J'étais pasteur en Guyane. J'avais ouvert une église parmi les Amérindiens, à Irakoubo, Sinamari. J'ai tout laissé, tout ça, parce que j'ai vu que ma famille et moi, ma femme ne me suivait pas dans l'œuvre. Et j'ai vu que concrètement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jésus t'aime, ma sœur. Il t'aime et il aime la Guyane. Il aime la Guyane. Il va faire une œuvre en Guyane. Oh, je bénis Dieu aujourd'hui, je bénis Dieu, vraiment, je bénis Dieu d'être là. Parce qu'il m'a sorti de tout ça. Il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on sorte de tout ça. L'évangile, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu. Il veut sauver la France et il va souffler. Tout à l'heure, j'étais là et le vent me montrait, il y a un vent qui arrive. Préparez-vous. Hein. Il y a beaucoup de frères et sœurs, ils ne croient pas, mais le vent va souffler. Ça va souffler sur la France. Des choses vont être détruites au nom de Yeshua. La dernière version, BGC. Ça, c'est pour Abigail. Alléluia. Voilà. Alors, Jojo est où là? Venez prier avec papa là. Priez pour cette famille là au nom de Yeshua. C'est que vous êtes occupé là-bas là. Alléluia. On va prier pour eux. Seigneur, bénis cette famille, que ta main soit sur chacun. Utilise mon frère, ma soeur et ses enfants pour ta gloire. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Suivez Jonathan pour le baptême. Tu vois, quand on va les baptiser là-bas, Anne. Nana qui est là-bas va faire le baptême avec vous. Anne, tout ça pour les femmes. Et on peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. On va se voir à la fin. Hein? Je veux vous revoir. Sors! Sors! Au nom de Yeshua. Lâche-la. Voilà. Toi qui veux la détruire là. Lâche-la. Tu as assez souffert. Et aujourd'hui le Seigneur t'attire à lui. Aujourd'hui le Seigneur te guérit, te libère au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Waouh. C'est beau. Le frère veut, il y a un témoignage, donc ça, tu viens d'où? De l'Allemagne. Okay. Enfin, je ne sais pas si c'est... Il se trouve que dans ma recherche du Seigneur, bon, il m'arrive parfois de prier. Il m'est arrivé par 3 fois de me retrouver au sol pendant que je priais. Mm-hmm. Et vendredi dernier, quand je suivais une vidéo en Belgique, le 10 janvier, mm-hmm. je regardais la vidéo et puis je me suis retrouvé au sol. En train de trembler et puis au sol. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Si, je ne sais pas, c'est un démon, mais c'est quoi, je ne sais pas. Oh, tu es baptisé, pas encore? Pas encore, je prends mon baptême aujourd'hui. Au nom de Yeshua.
choix.